Je suis Patrick Lefebvre, maire adjoint aux travaux. Autour du belvédère, nous allons conforter la dune qui a été attaquée par les ravinements. Donc on a refait un confortement en béton tout le tour. Nous allons créer une plateforme de 40 mètres carrés en caillebotis qui fera un observatoire supplémentaire qui permettra notamment aux personnes en fauteuil de pouvoir admirer la vue du bassin d'Arcachon depuis ici sans avoir à monter sur le belvédère. Notre idée là, c'est tout simplement d'entretenir notre patrimoine qui est merveilleux, historique bien sûr, le valoriser, le mettre en valeur et puis sécuriser ce lieu qui est très fréquenté. Donc nous avons fait des travaux importants qui seront livrés définitivement le 31 mars. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est les clins d'œil à notre histoire de France aussi, puisque c'est un observatoire qui fait 32 mètres de haut, qui a été fabriqué au 19e siècle avec l'idée justement de vérifier s'il y avait des feux dans la forêt landaise. Et depuis, il est devenu un endroit touristique, patrimonial et historique parce qu'il a été fabriqué par Regnault, un architecte qui a beaucoup fait Arcachon. Mais le fameux Regnault était assisté à l'époque d'un nom très connu maintenant, c'est Gustave Eiffel, qui était son assistant à l'époque. Et ils ont utilisé des matériaux nouveaux pour l'époque avec ces rails de chemin de fer. C'est la nouvelle métallurgie qui a été utilisée pour fabriquer ce bel équipement qui fait honneur à Arcachon, une belle infrastructure qu'on peut visiter et qui constitue le patrimoine arcachonnais.